Hey, what's up? What's up? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, mais là, peut-être pas. Let's go, mois de septembre. That's it. That's it. On continue. That's it, come on. 23e épisode aujourd'hui. 23. Ouh, qu'est-ce qu'on a au menu? Oh, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, donc premièrement, on a le moment existant. Je pense qu'on commence avec un combo de deux. Ah ouais? Ok, ben je doute un peu, mais ça fait pas raison. Combo de deux, moment existentiel, boîte mystère. Ah, ok. Pic de la semaine. Ok. Pense à ça. Ok. Hey. Je doute un peu, mais peut-être que le combo. Mais on commence ça là. Fait qu'avant qu'on commence, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Je suis très sûr dans les commentaires, tout le monde le sait. Toujours. Donc si t'en vas 13 ans, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec nous. Juste une nouvelle relation par an. Deuxième chose, dans les commentaires, soit là, là, soit là avec nous, tout ça, juste. Donne pas une relation par an, c'est pas nécessaire. Et reste respectueux. Hey, on commence tout de suite. Commence un lol. Lol. Combo de deux. Oh. Emmanuel. Comment? Et de retour. Pour un combo dégueulasse. C'est tout ce que tu as à dire. Comment? Dégueulasse. Douteux. Très douteux. Douteux. Comment? Douteux, c'est là. Douteux. Combo de deux. Lol. Lol. What up, le fitness? C'est encore moi, Emmanuel, je suis avec vous pour notre combo douteux. Si vous comptez bien, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 7 mois. 7 mois, c'est le chiffre parfait, à ce que pas vous bien, quelque chose comme ça. Sur, on va dire que je suis fait en fer. Alors, le combo va commencer, genre, right now. Si c'est pas quoi, un combo douteux, c'est deux mélanges que le monde trouve dégueulasse ou qu'il trouve bon. Et que moi je dois tester ça. So, à ce moment, Steph s'approche de moi, mais je veux juste pas qu'il soit là. Il l'a déposé au bout. So, je vais juste prendre, je vais même pas regarder. I feel it. And no way. Hallelujah. Come on. Alors, pour ceux qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, en fait, c'est des jus de chou. Ça, c'est pas des cerises, c'est des raisins. C'est des raisins avec de la relish. Relish. Est-ce que tu relish ton relish? Pas mal! Ça ne m'aide pas. Ok, I'm gonna try it right now. Next! Cheesy. Yo, c'est pas du jus d'orange. C'est du jus d'orange? Ok. Guys. Dimanche, 19h, soit du vent. Parce que là. Ok, c'est le Nesquik là, c'est les boules de chocolat, ok, vous comprenez, Nesquik, boules de chocolat, avec jus d'orange, and the name. Non, pour vrai, ça a l'air dégueulasse, mais je suis sûr que ça va être bon, parce que jus d'orange, ça fait un gros goût de la peur. Champion, c'est bon, j'approuve. Pour vrai, c'est pour ceux qui sont fidèles, j'avais fait Oreo avec jus d'orange. Et j'ai découvert quelque chose. Tout ce qui est chocolaté avec du jus d'orange, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment bon. Si tu me juges, ça me dérange pas. Je donne un 7 sur 10. J'approuve. Et là, elle fait les. But I don't. Hey, mais c'est du lait au chocolat. Tu veux grand-père d'une shot? Mais c'est du lait au chocolat, right?
C'est de la chocolat, right? C'est... Ok. Il y a quelqu'un à une bouteille d'eau, une poubelle, quelque chose, whatever. Ok. Comprenez. Je ne sais pas c'est quoi. Ça ressemble à du lait au chocolat. Et aussi, on me dit qu'il n'y avait même pas de lait au chocolat dedans. Je te dis, ça doit être dégueulasse. One shot. Oh mon Dieu, j'ai mal au ventre. Ça me fait peur. Ok. Ok. Après, tu me dis c'est quoi, right? Ok, après, on dit yo. Il y avait ma réponse. Oh. Ma bad. Je vais m'avoir avalé. Je vais devoir le revoir. Ma bad. Hey. Ça sort de ma bouche là. Ah, arrête là. C'est pas comme si quand tu manges ton poulet, tu le rentres, puis tu le sors. Après, tu le remanges. C'est chill. Il va juste être plus chaud. Ah. Okay. Ok, c'était du lait au chocolat avec de la reliche. Ah, so, c'est tout pour aujourd'hui, guys. Puis pour finir en beauté, je vais boire mon smoothie. Ce n'est pas un combo douteux, c'est juste délicieux. Merci. Dieu t'a eu ton instrument, c'est wow, c'est incroyable. Moi là, je suis un peu gay dans le monde. Mais je mangeais des trucs bizarres là. Tu l'as fait tout le monde. Mais j'ai pas vraiment de ça, puis je l'ai fait pour vous. Et après j'ai demandé à Emmanuel, un homme de foi, de faire. Merci. Come on! Mais c'est un peu l'autre, c'est tough. Good job Emmanuel, on est fier de toi. Lâche pas la patate. Hey, prends-toi de dire des combos douteux que t'aimerais voir. Ah, c'est ça, c'est toutes les suggestions qu'on a eues de vous qu'on a yes, fait. Yes. C'est vous qui avez demandé à faire ça, Emmanuel. C'est dégueulasse. Surtout, un, c'était toi. C'était moi. Ouais, mais là, je suis pas la reliche, Emmanuel, pour vrai. Toi, là. Yo, shut up. Toi, là, t'as mon respect pour la reliche. C'est ta faute. Fait Emmanuel, c'est de ta faute. Pour ça, on continue avec le moment existentiel. David et Miro sont de retour et ont quelque chose à partager avec vous. Avec vous, je veux être sûr que tout se passe bien, des petits conseils à vous donner. Yes. Moment existentiel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on parle de moment existentiel. Mm. On n'a pas arrêté les questions existentielles, on en a d'autres pour vous, mais on a décidé d'appeler ça le moment existentiel. C'est un moment qu'on va répondre à une question, on va prendre le temps de partager quelque chose, le moment existentiel. That's it. Comment? That's it. Ça commence quand? Hello everybody! Hey everybody! Bienvenue à une autre semaine de Moments Existentiels. Yes. Si vous me connaissez pas, je m'appelle David, Wifey. Véronique. Et aujourd'hui, comme on a parlé de la dernière fois, on veut vous parler de qui sont vos vrais amis. Fait que là, vous avez probablement commencé l'école, peut-être si vous avez peut-être une nouvelle école, peut-être c'est des nouvelles personnes que vous connaissez pas. Comment savoir qui sont vos vrais amis? Fait qu'on va juste prier vite vite. Et on rentre dans le thème. Seigneur Jésus, merci pour la vie de ces jeunes. Je demande, Seigneur, que tu puisses les guider, Seigneur, leur donner l'autorité qu'ils ont besoin justement pour discerner qui sont leurs vrais amis. Et on te remercie pour toutes les bénédictions que tu gardes pour leur vie. Au nom de Jésus, amen et amen. Amen. All right. Alors, si vous êtes comme moi, des fois, vous avez besoin d'un peu d'aide à connaître les gens. Et des fois, vous ne savez pas trop comment faire. Je parle de moi au second. Je te connaissais pas dans ton. C'était mieux comme ça. Alors, qui sont tes vrais amis? Est-ce que tes vrais amis sont ceux qui t'insultent, ceux qui te rabaissent ou ceux qui te motivent?
Est-ce que c'est ceux qui t'acceptent tel que tu es ou c'est ceux qui veulent te changer? Qui sont tes vrais amis? Fait que si tu veux, ben, talk about it. Complètement. Ouais. En fait, c'est juste un petit cue pour savoir parce que des fois, il y a des personnes qui veut être leur ami, on veut faire partie de leur clique, on veut leur clique de bref. On veut qu'ils soient nos amis, on veut être avec eux, whatever. Puis, des fois, c'est pas vraiment forcément les meilleures personnes pour notre entourage. D'autres, oui, tant mieux pour ça. Mais d'autres, on veut à tout prix qu'ils soient comme justement comme nos seuls amis, puis c'est peut-être pas les meilleures influences. So, je pense que la clé la plus importante, c'est vraiment le respect. Une fois que tu peux dire tes convictions, te montrer comme que tu es, faire tes choix par toi-même, puis que ton entourage te respecte, ben, je pense que tu as trouvé le bon groupe d'amis. On n'est pas en train de dire que tes amis doivent absolument être chrétiens. Regarde, à l'école, là, ça se peut que tu vas trouver un chrétien seulement. Puis c'est pas que tu peux pas avoir des amis chrétiens. Non, tu peux avoir des amis pas chrétiens. It's not bad. C'est que faut que tu trouves des personnes qui vont amener le meilleur de toi-même, non? Qui vont te faire ressortir le meilleur de toi. Et c'est ça, c'est juste de être qui tu es, de faire tes choix. Puis si tu as le respect de ces personnes-là, reste avec ces personnes-là. Si tu vois que les personnes autour de toi, ils respectent pas tes convictions, ils se moquent de tes choix, ils veulent te changer, ou même ça peut être des petits commentaires. Des fois, c'est un peu de sarcasme, tu sais, dans les commentaires avec les choix que tu as fait ou le fait que tu es chrétien, que, you know, que tu vas à l'église ou peu importe. Ces personnes-là, enlève-les de ta liste. Enlève-les de ta liste parce que, oui, c'est vrai que tu veux les influencer, mais je veux pas qu'ils te briment en premier, tu comprends? Fait avant de pouvoir influencer d'autres, il faut que ton cercle autour de toi soit solide. Mais pour que ton cercle soit solide, je pense que le plus important, c'est avoir leur respect, que toi, tu puisses également leur montrer le respect mutuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Yes! Évidemment! Oh yes! Thank you, Jesus! Évidemment, si... parce que tu peux avoir des amis à l'école, puis tu sais, peut-être ils vont t'insulter, ben la réponse c'est pas de leur insulter aussi. Fait que c'est important que tu puisses garder ton intégrité devant Dieu, de garder qui tu es devant Dieu. Fait que si jamais quelqu'un t'insulte, bénis-les. Et pour eux autres, you know, like, t'as pas besoin d'embarquer dans le même cercle. Et des fois c'est juste que ça, potentiellement ça peut être des bons amis, mais ils ont juste besoin de savoir qu'avec toi, ils n'ont pas besoin de t'insulter. Fait que c'est important de savoir comment répondre, comment dire non à certaines affaires. Si jamais ils te poussent ou ils te motivent à faire des choix qui sont contre tes valeurs, contre Dieu peut-être. C'est là que vient le temps que tu dois vraiment t'affirmer sur qui tu es, tes convictions, les choses qui sont importantes pour toi. C'est vraiment le temps de défendre toi, ce qui est important pour toi, parce que vraiment, ton entourage, c'est ce qui est le plus... je pense que c'est ce qui t'influence le plus. Plus que ta famille, plus que tes parents, plus que la télé, ben les réseaux sociaux, c'est quand même un gros poids. Mais comme ton entourage, ça va vraiment venir t'influencer beaucoup. Donc, si tu le choisis sagement, avec des gens qui te respectent, avec des gens avec qui tu peux être toi-même, c'est ça, ça va juste être comme bénissant pour ton cheminement. Il y a trois lettres qu'on peut dire si jamais tu n'es pas d'accord avec quelque chose. C'est quoi ces trois lettres-là? N-O-N, non, tout simplement. Fait que si quelqu'un te fait faire quelque chose, tu peux dire non. Fait que dites non! Avec moi? Non! Non! Exactement. But this is the thing, c'est que tu peux pas juste faire un non. Tu sais, non. Great acting. Faut que tu fasses. Non, non. Faut que tu le dises avec assurance. Parce que si mettons. Je sais pas. Je me rappelle de moi en secondaire. Quelqu'un veut te faire fumer, par exemple. Exactement. Puis que toi, tu veux pas rentrer dans ça, ben, t'as juste à dire non. Mais c'est parce que si tu dis non comme. Tout faiblichon, c'est sûr qu'ils vont te redemander, ils vont te redemander, ils vont te redemander jusqu'à ce que tu le fasses, you know? Versus, c'était comme non, non, bro, j'ai pas envie de faire ça, ou genre non, j'ai pas envie de faire ça. Tu sais, comme avec assurance, comme t'es capable de dire non, là, je veux dire, t'as pas besoin de le faire pour l'approbation des autres, tu comprends? Puis quand tu cherches pas à avoir l'approbation des autres, c'est plus facile de juste dire non parce que ça te tente pas, puis ça finit là, that's it, tu comprends? C'est ça, si ça te tente pas de faire ces affaires-là, just say no, tout simplement. Puis si ces personnes-là sont pas capables de respecter ton nom, c'est quoi l'expression? I'ma cut you! Bref. Nobody's gonna cut anybody, non, but. Non, non, non. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est la meilleure chose, c'est de trouver au moins une personne qui est très similaire à toi, que vous pensez pareil, ouais. Qui est capable de dire non avec toi. Je pense que c'est là une grande force. Exact. Et pourquoi pas, au lieu de laisser les autres t'influencer, pourquoi pas
toi à être celui qui influence les autres. Yeah. Fait qu'on vous motive à vous être l'influence que Dieu puisse vous utiliser et passer des belles années au secondaire. Profitez de l'éducation qu'on vous donne et soyez des gens respectables avec intégrité et que le Seigneur soit fier de vous. Yes? Pour vrai, ça me fait penser à l'histoire de Daniel dans la parole où est-ce que il a été face à quelque chose que lui, il ne voulait pas faire. Ça, il ne tentait pas, ben, pas ça, il tentait pas, mais je veux dire, devant Dieu, il ne voulait pas adorer la statue du roi. Et comme il a resté ferme sur son nom, à la fin là, de l'histoire, je crois que vous allez le lire, Daniel, chapitre tout au complet, en tout cas, à la fin, on voit que Dieu l'a béni parce qu'il est resté intègre, parce qu'il est resté ferme sur son nom et sur ses convictions. En fait, on s'est un peu écarté de la question parce que la question était qui sont tes vrais amis, mais basically, si on peut répondre rapidement, c'est juste ceux qui te respectent, qui te soutiennent. Qui t'aime. Yep. C'est vraiment ça. Et si jamais vous vivez évidemment des moments d'intimidation, de peu importe, parlez à une autorité dans votre vie, que ce soit vos parents, leaders, un adulte à l'école. Yeah. Et à Influence, on est ici pour vous. On vous aime et on a hâte de vous voir. Yes. God bless you et à un prochain moment existentiel. Ciao! Bye. Ciao. Merci beaucoup, David et Véro, encore une fois. Yes, come on. Love you guys. Come on. On aime ça. Come on. Prends des notes. Merci beaucoup. Donc, écoute, pour la suite, après l'élection existentielle, après le moment existentiel, qu'est-ce qu'on avait déjà? What is that? Oh, c'est quoi ça? What is that? Mystère! Martin Mystère! C'est un nouveau segment qu'on amène. Ça va arriver de temps en temps. On va juste dropper une boîte mystère. Qu'est-ce que c'est une boîte mystère? Je vous explique. C'est très simple. Vas-y. La boîte mystère, c'est une boîte. Et on prend quelqu'un au hasard dans les deux qui doit mettre ses mains dans la boîte et essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dedans. Notre première victime, c'est Véro. Hein? Merci pour les bons conseils, Véro. Après, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, soyez prêts. C'est un segment incroyable, la boîte mystère avec Véro. On écoute ça maintenant. Live! Hello, everybody. Je suis ici pour la boîte mystère. Pardon. Et ça commence. Tu vas prendre le temps de te revirer. Okay.
Ok, bye. Bye. Ici, c'est un bébé chien. Parce que tu l'entendrais. C'est live, elle était tellement pas d'âme, mais elle a pensé à vous après. Faut que je le fasse pour les gens. Thomas! Moi, ça m'émue tellement! J'ai le permis! Thomas! Tu es perdu toujours dans ton coude? Hein? Tu penses que le dab, ça vient d'où? That's it! Ok! À tes souhaits! Véro! À tes souhaits! Merci! Hey, Véro, merci beaucoup! Au vrai, t'as du courage! Vraiment, j'apprécie ton courage. That's it. La perruque, c'était incroyable. Donc, on continue avec le beat de la semaine. Car on a un nouveau beat pour vous, un nouveau beat à rajouter dans la playlist. That's it, CG, my boy. Come on, CG. Yes. Live. Come on. Live. On écoute ça maintenant. Ouh, ouh. Hey, guys. What's up? Influence TV, you know what it is. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlos Guzman, aka CG in the building. Je suis un des leaders du réseau Influence. Et qu'est-ce que je vais vous présenter présentement en ce moment? C'est le beat de la semaine. Et j'ai vraiment un beat que j'ai à cœur à vraiment vous présenter. Et cet artiste, c'est un des membres du groupe Rich Records. Il est rentré récemment. Il est jeune. C'est un très jeune artiste, vraiment fort, vraiment talentueux. Il a des bars. C'est un écrivain, c'est un poète, puis tout. He is strong, bro. Et son nom, en fait, c'est Ovay. Ce qui est Ovay, ben, Ovay, c'est un jeune artiste. Il a grandi dans une famille chrétienne. Alors, il connaissait c'était quoi les valeurs chrétiennes. Il voyait sa mère prier, son père était présent aussi, il allait à l'école, il était un bon gars pis tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans son témoignage dont ça l'a vraiment appris à connaître encore plus Dieu? C'était à travers la discipline. Dans son témoignage, il a dit que avant qu'on puisse être un guide pour les autres, il faut d'abord suivre et être un serviteur pour les autres. Et ça, c'est comment il a connu Dieu. Puis, out of nowhere, pendant qu'il a commencé à rapper, qu'il a commencé à écrire et tout, le groupe Rich Records l'a juste holla. Puis, il a fait un deal avec lui pour qu'il puisse rentrer avec Rich. Et ouais, man, Dieu est bon. Dieu lui a ouvert la porte pour qu'il puisse rentrer dans le groupe. Et voilà, Ovay, comme la première fois que j'ai écouté Ovay, j'étais comme, yo, ce gars-là est malade. En tout cas, yo, Ovay, he's strong, il a des bars. Et le beat que j'ai vraiment à cœur à vous présenter aussi, le beat s'appelle Don't Play Cheap. Et avant d'aller plus loin et avant de vous
expliquer c'est quoi le message. Je vais d'abord vous lire le chorus qui est le refrain. Et ça dit ceci. Slow down, take a breath. Don't forget, you're blessed. Alors, slow down qui veut dire, fais ça doucement. Like, take your time, prends ton temps, respire, take a breath. Et oublie pas que t'es béni. Don't forget that you're blessed. Stop trying to figure out what's next. Let that weight fall off your chest. Alors, arrête de forcer et arrête de penser de qu'est-ce qui est next. Enlève tout ce que t'as sur ton chest, qui veut dire genre un fardeau lourd. Soit t'es tellement rempli de anxiété, de stress et tout. C'est ça qu'il veut dire. Et ensuite, il dit know your worth and don't play cheap. Connais ta valeur et joue pas cheap. Sois pas cheap dans qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la définition de cette musique, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que dans la vie, dans tout ce que tu fais, sois pas cheap. Si tu veux aller pour faire quelque chose, donne ton 100%. Fais pas ton 50 ou 90, non. Don't play cheap. Go for your 100%. Keep it on. Alors, c'est ça le message, en fait. Pourquoi? Parce que quand Dieu, il fait ses promesses pour nous, il le fait à 100%, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas nous, on peut le faire pour Dieu? Et c'est ça, Ove, mon gars. So, guys, check out Ove. Here it is, the music Ove. Don't play cheap. Bumping that music, it has a good vibe, a full vibe. Tu peux même danser dedans si c'est une musique vraiment positive. So guys, enjoy it. Much love, CG is out. And don't play cheap. Give you 100%. Check out the beat. Hey, ça conclut. That's it. Merci conclusion. Pour le beat de la semaine. Merci, CG. Toujours un bon beat. On rajoute à la playlist. Yes. Mm-hmm. On prend le temps de reculer pour être sûr que vous nous voyez bien. Voyez nos swag. Comme moi. You know. That's it. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout. On a passé un bel épisode. Merci beaucoup à toute l'équipe des Merci. Gens TV. Pour vrai, là, à chaque semaine, le contenu, c'est incroyable. Mm. Tout le monde ici travaille très fort. Je suis très fier de chacun d'entre yes. vous. Yes, yes. Puis, I love you guys. Yep. I love you. Pas en train de dire merci pour tout. Je sais pas si vous voyez, mais mon clavier, il est comme That's large. That's it! You know it! C'est à toi! Come on! Okay. Donc, c'est quoi les trois choses qu'il faut faire? Vas-y. Donc, les trois choses à faire. De un, ok, là t'es rendu, t'es supposé même être habitué, t'es crié même en même temps que je dis. Mm. De un, un like, s'il te plaît. De deux, tu t'abonnes! Comment? Et de trois, tu partages! Même si tu avais déjà partagé au début, tu recherches! Si tu ne sais pas à qui partager, prends le temps de partager quelqu'un dans ta connect. Oh. Tu sais pas c'est quoi une connect. On t'invite à aller sur le site internet de l'église, d'aller d'en trouver une connect et de t'inscrire à une connect. Yes. Une connect, c'est un groupe de gens qui se réunissent ensemble, qui prennent le temps de juste partager et de vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On a tous besoin des gens qui nous entourent, qui nous supportent dans tout ce qu'on fait. Que ce soit du succès ou que ce soit des échecs, on a besoin de gens qui nous encouragent, qui nous poussent à nous faire comprendre qui on est et ce que la Bible dit de nous. Yes. C'est ce groupe-là, c'est ça que ça fait. Donc, si tu en as pas un, on t'encourage à aller t'inscrire, à aller voir ce qui se passe. Et si tu en as un, drop dans les commentaires. Moi, ma connect, c'est la meilleure. That's it. Moi, ma connect, c'est la meilleure. That's it. Come on. Bien expliqué. Well said. That's the way it is. Sinon, on se revoit dimanche pour les assemblées hebdomadaires, right? Oui. On se connecte. Toi, tu vas être la première ou la deuxième? Je vais être la deuxième, mes amis. La deuxième, là! Les gens savent déjà. C'est les real, là, c'est les real. OK. Puis ceux qui sont plus spirituels vont être la première avec moi. Hey, that's a joke. T'es là à la première, t'es là à la deuxième. Sache que moi, je suis la première, Anna est la deuxième. That's on it. Est là avec toi pour participer à notre assemblée. Yes. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tout. C'est un plaisir d'animer avec toi. I love it. That's it, là. C'est vraiment nice. I love the vibe. Hey, on a hâte de vous voir. Yes. On espère qu'on vous aimez ce que vous voyez. Prenez le temps de nous envoyer des idées, des trucs que vous aimeriez voir. Comment Et on se dit à dimanche. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de... Influence TV! Je m'appelle Stéphane Tourin, je suis avec... Anna-Marie El Senegal. Comment? Et on vous souhaite une excellente fin de... Semaine! Come on! Oh.